Bonjour, bienvenue au Célestin. Merci d'être là sitôt ce matin. Ça nous touche beaucoup. C'est la sixième édition consécutive de cette grande journée de débat proposée par Denis Lafay, d'abord sous la bannière de la revue Les Acteurs de l'économie et depuis l'année dernière sous celle du média La Tribune. Malgré les trop longues périodes de fermeture du tas depuis 2020, nous sommes heureux d'avoir pu maintenir sans interruption ce partenariat et ce rendez-vous auquel nous sommes particulièrement attachés. La tâche, le lien, l'urgence de redonner du sens à ce qui relie, c'est le leitmotiv de cette saison du Théâtre des Célestins qui s'est ouverte le 15 septembre dernier avec la création de Skylight, euh, la, la nouvelle création de Claudia Stavisky, que vous pouvez voir d'ailleurs jusqu'au 3 octobre. Redonner du sens à ce qui nous relie, c'est aussi, il me semble, ce qui anime une époque formidable qui nous invite aujourd'hui en compagnie d'un historien, de magistrats d'artistes, de mathématiciens, d'un dirigeant d'entreprise, d'un philosophe, d'un paléo-anthropologue, d'un linguiste, d'un éthicien, d'une astrophysicienne et d'un alpiniste, à interroger l'engagement, l'innovation, le témoignage, la justice, la création, le rêve. On fait quoi maintenant Cela fait vraiment sens que, Denis, tu poses cette question avec l'équipe de la tribune et les invités de cette journée. Ici, sur la scène du théâtre des Célestins, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Pierre-Yves. Merci, cher Pierre-Yves. Le son, ça marche Oui, parfait. Donc, je voudrais d'abord vous adresser un, à tous un très grand merci. Retrouver ce théâtre, retrouver le public, retrouver un lieu de dialogue aussi stimulant, retrouver des intervenants aussi éclairants, c'est quelque part retrouver la vie. Merci donc à vous, spectateurs, d'être venus aussi nombreux, plus de 900 inscrits sur l'ensemble de la journée. Et je salue notamment les étudiants de Médine, de l'Assomption Bellevue et du lycée La Cassagne. Merci à nos 15 débatteurs qui tous seront présents sur la scène au plus près de vous pour faire vivre ce lien humain, ce lien physique et corporel, les yeux dans vos yeux, les voix dans vos oreilles. Nous rappelons qu'aucune plateforme de visioconférence, aucune technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne remplacera jamais la magie de la rencontre. Merci au théâtre des célestins, à Claudia, Pierre-Yves, Erika et toute l'équipe qui nous et vous accueillent dans cet écrin sublime avec tant de foi et de confiance en ce que nous élaborons. Merci à l'équipe de la tribune, à Maxime Bianchi, à Claude coste de nous accompagner avec autant de professionnalisme. Enfin, merci à nos partenaires dont les noms s'affichent sur l'écran. Ils sont mobilisés à nos côtés pour que vive un événement intègre, exigeant, pluriel et sur un plan éditorial totalement indépendant. C'est dans cet esprit qu'ils s'engagent et à une époque où la porosité ou même la collusion des contenus éditoriaux et commerciaux sont trop fréquentes, nous faisons ensemble. La démonstration qu'il est possible de résister. Cette année, j'ai souhaité structurer d'une même manière l'exploration des différentes thématiques. Aujourd'hui, ça veut dire quoi Être innovant, manager, s'engager, témoigner, bâtir, être juste, croire et rêver. Que signifient ces termes En introduction de chaque débat, la linguiste Julie Neveu consacrera deux minutes à donner un cadre étymologique et contemporain au sujet traité. Puis ce sujet, nos débatteurs le discuteront, le disputeront, le confronteront aux révélateurs de notre époque. De notre époque et bien sûr du moment aussi singulier dans lequel la crise pandémique nous a précipités il y a 18 mois. Depuis, nos existences affectives, familiales, amicales, culturelles, professionnelles ont été bouleversées. Chez nombre de citoyens, la mort a frappé, la solitude, la précarité et l'exclusion ont frappé, la peur. Continue de frapper. Et de cela, personne, quelles que soient les conditions dans lesquelles il traverse l'épreuve, ne sort indemne. Mais réduire l'enjeu du débat public au SARS-CoV-2, laisser ce petit virus phagocyter notre horizon serait inepte. Car le Covid-19 ne doit pas détourner nos consciences, je dirais même nos âmes, d'une situation économique, sociale, climatique, environnementale, géopolitique, planétaire, autrement plus critique, et cela bien avant qu'il ne fasse irruption le covid est simplement venu bouleverser dans une infime parenthèse de l'histoire le sens de la trajectoire à bien des égards spectrale qu'emprunte notre civilisation nous étions nombreux à espérer à l'acmé de la crise sanitaire et des périodes de confinement qu'il détourne cette trajectoire de l'orbite indicible qu'elle poursuit aveuglément veut pour l'heure bien illusoire, il faut le reconnaître. Or, la gravité de l'enjeu civilisationnel auquel nous sommes tous convoqués est immense. Elle est inflammable, ses étincelles consument partout, ses braises brûlent sans discernement la nature, l'atmosphère, la biodiversité, mais aussi notre vivre ensemble, notre espérance, et parfois même notre humanité, l'humanité que nous composons ensemble, et celle qui nous constitue intrinsèquement chacun dans son intimité. Pour illustrer mon propos, le choix ne manque pas. J'aurais pu, par exemple, me référer au rapport du GIEC et de l'IPBS publié cet été sur la double situation du climat et de la biodiversité cataclysmique au sens propre. Et Mais comme nous comptons parmi nous nombre de jeunes et comme cette jeunesse détient une grande partie des clés de notre devenir, je vais plutôt partager avec vous trois chiffres, extraits d'une étude à grande échelle publiée il y a quelques jours dans The Lancet, réalisée auprès de 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans de 10 pays du nord et du sud, riches comme les États-Unis ou la France, pauvres comme le Nigeria. 75%, 56%, 39%. 75%, c'est la proportion de jeunes qui jugent le futur effrayant. 56% qui estiment l'humanité condamnée. 39% qui hésitent à avoir des enfants. Oui, cette défiance en l'avenir, cette peur en l'avenir, ce rejet de l'avenir indique que le déterminant le plus cardinal de nos raisons d'être et de faire, l'avenir lui-même, est empoisonné. Or, comment agir maintenant si notre foi en l'avenir, si notre confiance en la possibilité d'un avenir meilleur et en la faculté de contribuer à cet avenir meilleur sont étanisés Encore faut-il bien sûr s'accorder en préambule sur le sens de l'épithète meilleur. Désigne-t-il la folle course à la confiscation et à la marchandisation de l'espace que se livrent quelques milliardaires prisonniers de Lubris Ou bien désigne-t-il un destin civilisationnel au cœur duquel la notion de progrès est pensée avec une majuscule, c'est-à-dire avec exigence, éthique, avec responsabilité et avec justice. Or, c'est justement parce que l'horizon est pour partie obstrué que nous avons comme jamais le devoir de ne pas abdiquer. À cette fin, nous avons la responsabilité d'innover, de manager, d'être juste, de bâtir autrement. Et pour cela, de témoigner, de croire, de s'engager. Alors, nous nous donnerons la possibilité de rêver. Ainsi est structurée cette journée autour de ces huit sujets qui questionnent, remuent et convoquent nos consciences et surtout nos actes. Formidable est l'époque, car ne l'oublions pas, l'étymologie de formidable recense aussi bien l'extraordinaire que le redoutable. À chacun d'entre nous d'orienter le sens de l'adjectif vers la lumière plutôt que les ténèbres, et c'est à cette quête que vont s'employer Priscille Déborah, Pascal Pic, Joanne Chapoutot, Charles Pépin, Cédric Villani Catherine Marchi-Huel, Najal Boucaille, Jean-Dominique Sénard, Nathalie Roret, Renaud Van Rumbeck, Jean-François Delfrécy, Étienne Klein, Catherine Destivelle et Thierry Frémaux. La semaine dernière, je lisais le remarquable essai de Delphine Orwiller, Vivre avec nos morts. Elle raconte les derniers instants du Premier ministre Yitzhak Rabin avant qu'un ultranationaliste israélien ne l'assassine. C'était en 1995. Sur scène, Rabin se met à chantonner un texte. Et ce texte indique que l'heure n'est pas à ressusciter les morts, mais je le cite à réveiller les vivants. Réveiller les vivants, réveiller ou éveiller cette part de nous-mêmes grâce à laquelle nous pensons et agissons en vivant, grâce à laquelle nous pouvons assurer que demain et surtout qu'après-demain, c'est-à-dire après, après nous-mêmes, sera vivant, grâce à laquelle, du terme formidable, nous nous concentrons en même temps à faire grandir l'extraordinaire et à conjurer le redoutable. Faire de nos colères qu'elles ne soient pas seulement indignation, faire de nos désirs qu'ils ne s'éteignent pas dans la frustration, voilà ce que nous devons faire fructifier. Voilà à son très humble niveau le vœu que poursuit une époque formidable. Alors maintenant, on fait quoi C'est à nous tous de jouer. Et sans plus attendre, je passe la main à Claude et j'invite Priscille et Pascal à le rejoindre sur scène et je vous souhaite une excellente journée. Merci.